Revenons-en à la dimension biologique de l'anthropologie. Je ne dis pas l'anthropologie physique, mais la partie de l'anthropologie qui s'intéresse au corps humain, dans ses variantes et dans la façon dont il est modulé par la société. On sait tous que la moyenne d'âge au décès est corrélée avec certains aspects socio-économiques. On sait tous que le poids des enfants ou le rythme de croissance l'est aussi. Il y a ainsi, dans le corps humain, des indicateurs sur le social. Je voudrais revenir sur cela d'une manière beaucoup plus large. Et pour le faire, je vais m'appuyer sur un exemple, qui n'est qu'un exemple, mais qui est un cas particulier que j'ai eu la chance de bien étudier, qui est un cas assez type, qui est pour la recherche dans ce domaine-là, ce qu'est Escherichia coli dans le domaine de la bactériologie, c'est-à-dire le prototype qu'on peut étudier, comprendre et qui, lui seul, contient l'essentiel du message. C'est l'île de Saint-Barthélemy. Pas Saint-Barthélemy actuel, pas le Saint-Barthélemy de Johnny Hallyday, des belles plages, etc. Le Saint-Barthélemy tel que je l'ai connu entre 1960 et 1980-85, petite île de 14 km², situé tout au nord de l'arc caribéen, au moment où il va s'infléchir vers l'est pour aller vers Porto Rico et vers Cuba, et quand il est tout au nord de sa ligne verticale qui part de Trinidad. Dans cette petite île de Saint-Barthélemy, il y avait à l'époque où j'y ai travaillé environ 2000 personnes, et ces personnes étaient des Blancs. C'est-à-dire que ce n'était pas comme une grande partie du reste de la Caraïbe, une île dont le peuplement était de prépondérance d'origine africaine, c'était une prépondérance d'origine européenne. Lorsque je faisais ma thèse sur le métissage à la Martinique, je m'étais déjà préoccupé de trouver des échantillons humains qui pouvaient témoigner des premiers apports européens et aussi des premiers apports africains. J'avais été chercher dans deux endroits où la concentration de l'un ou de l'autre était le plus certaine, c'est-à-dire le moins métissé des deux côtés. J'avais été à Saint-Barthélemy et à l'île de la Tortue dans le nord d'Haïti, pour l'inverse, lieu vraiment de population très peu ou pas métissée probablement. Et dans ces deux populations, j'avais fait des contre-échantillons ne serait-ce que pour des calculs de métissage, peu importe les détails de ces calculs. Alors, ça arrive à Saint-Barthélemy, comme toujours quand on fait un travail d'anthropologue et qu'on est un jeune débutant, à l'époque je l'étais, il fallait que je trouve le moyen d'y pénétrer et de m'y financer. Ayant la chance d'être médecin, j'ai pu trouver à remplacer le médecin de l'île pendant 2 mois. Donc j'avais accès grâce à cela à un lieu de travail, à un lieu d'habitation, à un boulot qui me faisait rencontrer la population et à une légitimité pour faire des prélèvements, pour faire des groupes sanguins ou pour faire quoi que ce soit. Et aussi à des droits d'interrogation beaucoup plus grands que si j'étais débarqué jeune anthropologue, je viens faire l'anthropologie pour comprendre qui vous êtes, bon, que c'est que ce farfelu. Donc, je succédais au docteur je remplaçais le docteur Ortiguet, on venait me voir. Évidemment, je soignais des rhumes et des problèmes gynécologiques qui n'étaient pas directement liés à ma thèse. Mais en même temps, j'avais accès à tous les questionnaires que je voulais faire. J'avais aussi accès, avec l'autorisation du rectorat, aux enfants des écoles. Et grâce à cela, et puis en même temps, je voulais connaître l'histoire et la structure de cette population, et je suis allé voir le curé, et j'ai pu consulter les registres paroissiaux qui étaient bien tenus depuis plusieurs siècles.
J'ai relevé tout ce que j'ai trouvé sur les origines des conjoints et tout cela. Et cela m'a permis un premier recueil de données qui a été de voir la structure spatiale de cette population dans le temps. Et ça recoupait le discours que me tenaient les gens. Dans cette petite île, il y avait deux paroisses. Une qui s'appelait Gustavia, du nom d'anciens rois de Suède, Gustave, car cette île a été suédoise pendant 100 ans, ayant été cédée à Louis XIV, par Louis XV, je crois, à la Suède, en échange de droits des Français au comptoir à Göteborg. Et pendant 100 ans, ça a été administré par les Suédois, qui ont laissé des traces, peu de traces humaines, mais beaucoup de traces de souvenirs, etc. Et aussi pour la Suède, c'est quelque chose de merveilleux, leur territoire dans la Caraïbe. Actuellement encore, il y a un groupe de Saint-Barth, de souvenirs de Saint-Barth. Et alors, je suis allé aux archives de Stockholm, où c'était l'époque où les archives étaient en français. Donc j'ai pu lire toutes les correspondances du ministre des Affaires étrangères avec le gouverneur de Saint-Barth et tout ça. Et c'est encore pour les Suédois très présent. Et il y a plusieurs livres en suédois sur Saint-Barth qui sont parus ces dernières années encore. Alors donc, j'ai pu reconstituer sous ce passé et m'apercevoir que ces deux paroisses, l'une donc Gustavia, comme je vous le disais, et l'autre, Lorient. Lorient, on en a parlé ces temps-ci à cause du cimetière de Lorient où a été enterré Johnny Hallyday. Mais ces deux paroisses correspondaient à deux moitiés de l'île avec une petite striction géographique entre elles. Et on se mariait peu entre les deux paroisses sur cette île de 14 km². J'ai cartographié les mariages. Environ 90 à 95% des mariages se passaient à l'intérieur de la paroisse. Quand vous alliez dans la paroisse de Gustavia, qui était ouverte sur le monde, puisqu'il y avait le port de Gustavia, il y avait quand même 600 habitants, des bateaux, bon, et puis dans les campagnes qui étaient liées à ça, on était ouvert sur l'extérieur, relativement. De l'autre côté, il y avait un gros morne, le morne Vitet, puis des petits quartiers, Grandfonds, Salines et tout ça, on vivait sur place. Et quand on interrogeait les gens, ils disaient, non, de l'autre des côtés, là, c'est l'enfer. Mais il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas se marier là-bas, c'est l'enfer, c'est l'enfer. À tel point qu'un jour, une dame de Gustavia qui avait 60 ans à peu près, pas de Gustavia, de la campagne du Gustavage, je lui dis, ben tiens, je vais de l'autre côté, je suis en voiture, vous voulez venir avec moi? Ah ben oui, j'y suis jamais allé. Elle n'était jamais allée parce que c'était l'autre des côtés. Donc on se mariait peu. Donc on avait ce qu'on appelle une endogamie pour le généticien. Alors là, il y a une confusion avec des anthropologues. Bien souvent, quand l'anthropologue parle d'endogamie, il parle d'une règle de choix du conjoint. Et quand le généticien parle d'endogamie, il parle d'un constat statistique de mariage à l'intérieur d'un espace donné. Et là, il y a souvent des confusions entre les deux, ce qui implique l'exigence toujours d'une grande précision de vocabulaire, même à l'intérieur de l'anthropologie. Et que de fois j'ai vu ces confusions-là. Alors donc, cette endogamie donc statistique faisait de cette île déjà isolée un isolat. Ensuite, sur l'ensemble des mariages, j'ai essayé de voir sur les 100 dernières années, parce qu'après ça aurait été. Il n'y avait eu qu'un seul mariage avec quelqu'un de l'extérieur. Donc on se trouvait devant des isolats à l'intérieur d'un isolat. Puis quand j'ai fait les groupes sanguins, qu'est-ce que j'ai vu? Que le groupe sanguin O, le groupe sanguin B, pardon, avait disparu complètement de l'une des deux paroisses, celle de Lorient. Qu'il y avait donc une différence biologique, faible, mais c'est une différence biologique entre ces deux moitiés. Et alors là, je vais passer sur le détail. On a fait beaucoup d'autres investigations. Il apparaissait en quelque sorte que les règles purement sociales de conflit entre deux paroisses, une plus orientée vers la mer et l'autre beaucoup plus rurale, refermées l'une sur l'autre, avaient entraîné des dimensions de population suffisamment faibles pour que se passe l'un des quatre mécanismes de l'évolution génétique d'une population, la dérive génétique. Les autres étant la sélection, le métissage,
hein, et les mutations. Là, par simple redistribution des gènes, le fait d'avoir une petite population, et ça s'explique assez facilement. Si vous avez 4 gènes et 3 personnes, il y a déjà un gène qui a disparu. Hein? Mais si vous avez 40 personnes, ils n'auront pas une répartition exacte. Vous aurez des dérives, de fréquence. Ces dérives de fréquence peuvent aller dans l'autre sens dans une population voisine et créer des contrastes qui se traduisent parfois uniquement par des caractères sanguins, mais c'est pareil pour d'autres caractères qui ont des conditionnements morphologiques sur la couleur des yeux, sur la taille, sur tout cela. Et donc on arrive à ce que les isolats, lorsqu'ils durent longtemps, deviennent des populations avec des caractéristiques qui leur sont propres. Donc, le Saint-Barthélemy est un isolat. Il a fait l'objet d'ailleurs depuis d'autres études par des Américains, etc. Et il s'inscrivait à l'époque dans un esprit de recherche qui, au niveau des ethnologues, s'est traduit sous la conduite notamment de Arensberg, par l'étude de ce qu'on appelait les petites communautés. C'était toute une époque, la petite communauté. Et pour les anthropologues, par l'étude des isolats. Nous avons eu aux États-Unis un colloque qui s'appelait Mykoras et Isola. Moi, j'ai été chargé de faire un truc sur Saint-Barthélemy, justement à ce moment-là. Et ça a été pour moi la première fois que j'ai eu l'idée de me dire que, encore, et ce n'est pas un simple hasard que, quand j'ai travaillé sur le métissage à la Martinique, je me suis rendu compte que les conditions de la fréquence et l'orientation du métissage venaient des structures de la société, que la société avait manipulé les gènes, elle ne les avait pas transformés, mais elle avait joué d'elle, comme je dis, comme un jeu de cartes. De la même façon, le jeu de cartes que sont les gènes avait été géré de façon particulière dans la petite île de Saint-Barthélemy, à travers des redistributions inégales par le hasard des générations, faisant contraster ou différencier ces deux moitiés. Donc ça m'a permis de construire cette théorie dont j'ai fait un livre que je n'ai pas ici, qui s'appelle Biologie de l'homme social, dans lequel il s'agit d'inverser ce concept trop banal que la biologie conditionne le social, etc. Mais aussi que voir comment le social module le biologique. Parce qu'en modulant le biologique par le génétique, il module les apparences, et il module aussi en même temps les éléments du biologique qui sont somatiques, comme la nourriture, comme l'activité physique, qui à leur tour retentissent sur le biologique. Mais en même temps, comme j'étais médecin de Lille, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de surdité. Et les gens me disaient: Ah, il est devenu sourd parce qu'il a fait une plongée sous-marine et il en est devenu sourd. Ah, lui, il est devenu sourd parce qu'il a mangé du poisson toxique, et après avoir mangé du poisson toxique, il est devenu sourd. Elle est devenue sourde, elle a eu une anesthésie, elle est devenue sourde. Et puis un jour, un jeune garçon me dit: j'ai senti que je commençais à devenir sourd parce que j'entends mieux arriver les bateaux comme mes amis. Parce que les bateaux ont un moteur qui a un son grave, les vagues qui effacent ce son ont un son plus aigu, et que la surdité est une surdité aux aigus. En éliminant les aigus, il faisait mettre en relief le son grave, et il entendait les bateaux, le ton-ton-ton-ton du bateau, avant les autres. Et là, lui, il reconnaissait que ce n'était pas une maladie, que ce n'était pas ça. Je me doutais que ce n'était pas une maladie. Si bien qu'à ce moment-là, j'ai pu me brancher avec l'équipe d'épidémiologie génétique de l'INSERM, de Josué Fengold et moi, et nous avons lancé une énorme enquête sur Saint-Barthélemy, qui a mobilisé énormément de moyens, de gens. On a fait une prise de sang à toute la population à l'hôpital. On a fait énormément de dosages de toutes sortes. On a fait des audiogrammes à la quasi-totalité de la population, ce qui aboutit d'ailleurs à les équiper gratuitement, en équiper des centaines de personnes par la suite. Et on a fait un tableau de cette micro-évolution autour d'une pathologie, cette fois. Un gène apporté. Alors là, à travers les généalogies, nous avons pu remonter jusqu'à la branche qui a apporté ce gène. Et en voyant les descendants,
en prenant tous les descendants de ceux qui avaient apporté Genèse, tous les sourds étaient dans cette généalogie, il n'y en a pas dans d'autres. Et à partir de là, on a pu voir comment l'histoire module aussi une population, mais que l'isolement, le non-matissage, le non-croisement, c'est un gène récessif, c'est-à-dire qui est effacé par un mélange, avait évolué. Alors du coup, on s'est dit, il faut faire du conseil génétique, mais le conseil génétique, c'est très délicat. Déjà, une petite revue locale a publié un article sur ces gens qui disent qu'on est dégénérés parce qu'on est des sourds, et etc. Du coup, en gros, on a dit, guéguen, marions-nous, aller trouver des conjoints un peu à l'extérieur. Mais comme à Saint-Barth, il ne fallait pas se marier avec des Noirs parce que c'est horrible. Un jour, quand je suis revenu quelques temps plus tard, ils m'ont dit, ah, mais on commence à se métiser, il y en a un qui a épousé une Canadienne. Et peu à peu, ça a changé. Maintenant, des métissages de tous ordres se sont faits peu à peu. Ce n'est pas lié à nos conseils génétiques, c'est lié à l'évolution de la société. Car quand j'ai travaillé à Saint-Barth pour la première fois en 1960, une jeune femme, une seule, était devenue secrétaire d'un chercheur CNRS. Elle était considérée comme une prostituée par le reste de la population parce qu'elle passait des heures dans un même bureau avec un homme. Je veux dire, c'était une société où le contrôle social... Et comme l'avait dit Dubreuil un jour en faisant un lapsus amusant, il a dit à Saint-Barthélemy, quand des hommes arrivent, les femmes ferment les volets. Il a dit, les femmes ferment les cuisses. Mais, alors qu'il voulait dire ferme les vitres ou quelque chose comme ça. Mais il en avait dit, ferme les mollets. Voilà. Il avait dit, ferme les mollets au lieu de dire, ferme les volets. Alors, donc là, on arrive à quelque chose qui dépasse le cas particulier pour aboutir à une sorte de chose d'anthropologie. Mais ensuite, il peut y avoir des dérives de tout ce qu'on se dit. Dans une thèse que je ne nommerai pas, où quelqu'un s'imagine que c'est pour des raisons sociologiques que les femmes sont plus petites que les hommes parce qu'elles sont moins nourries par le dominant, etc., thèse qui a été dirigée par François Héritier, l'auteur dit... Jean-Benoît a bien montré que le social peut influencer le biologique. Alors là, que les bébés qui ont naissance plus gros quand ils sont hommes que quand ils sont filles, que les filles qui sont plus grandes que les garçons à l'âge de 13 ans, tout ça. Et alors, il en a fait une toute théorie liée à la théorie des genres, au féminisme, etc. Alors, on arrive aussi à ce que l'anthropologie peut servir de fondement à des discours idéologiques qui se font passer pour des discours scientifiques. Et je me permets de dire ça parce qu'on est perpétuellement aux prises avec cela, avec à devenir des cautions. Et nous devons avoir peur ni du politiquement correct quand il concorde avec, ni de l'incorrect politiquement quand il concorde avec la vérité.